Bonjour à tous. Alors, je voulais vous parler de la médaille miraculeuse aujourd'hui. J'avais fait une vidéo il y a 9 mois sur 4 choses indispensables. Je vous invite à regarder la vidéo, dont la médaille miraculeuse. Cette médaille, cette fameuse médaille, en fait, est née d'une apparition de la Sainte Vierge Marie à Paris, à la chapelle de la rue du Bac en 1830. Elle est apparue à Sainte Catherine Labouré, qui est sainte. Donc, ce n'est pas une apparition reconnue par l'Église, mais la voyante, Sainte Catherine Labouré, a été quand même déclarée sainte. Et pourquoi médaille miraculeuse? Parce que on a constaté des miracles suite à la frappe de cette médaille, au port de cette médaille. D'ailleurs, le symbolisme, ce qui a, enfin, la frappe de la médaille a été dictée par la Sainte Vierge. Donc, cette croix entrelacée par le M, c'est les deux cœurs de Jésus et de Marie. Donc, celui de Marie transpercé par le glaive, tel que l'avait prédit le sage Siméon. Donc, c'est dans les évangiles. Le cœur de Jésus recouvert de la couronne d'épines, et puis de son feu d'amour, de charité qui brûle pour nous. Enfin, les deux, d'ailleurs, ont cette flamme de charité. La Sainte Vierge sur le recto, donc sur la face de la médaille. Donc, elle a les mains, les paumes des mains ouvertes. Avec les rayons de grâce qui descendent si on les lui demande. Donc en fait, cette médaille, la Sainte Vierge a dit que ceux qui porteront cette médaille avec confiance recevront de grandes grâces. Donc j'imagine que ce sont des grâces de protection, de bénédiction. Vous pouvez en acheter sur ce site Tradition Monastique. Il y a pas mal de modèles, hein. Il y a même des. Alors, je sais qu'il y a des modèles en or, mais par exemple, vous pouvez acheter donc les médailles 18 mm, c'est assez petit, par lot de 100 pour 13,50 €. Voilà, les dorés coûtent un peu plus cher, mais ça reste abordable à 15,70 €. Voilà, donc je trouve que c'est dommage de se priver justement de ces grâces alors que c'est si facile de les obtenir. Il suffit de porter la médaille, le mieux c'est autour du cou, hein, j'imagine. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation et que Dieu vous bénisse.